What up, family? Sai Hoi right here. Today we'll be exploring the forest. I want us to explore the forest, so I'm on my way. I'm somewhere. Look at this forest that you see. We'll be exploring the forest. So there is a rumor that there are animals here, like elephants and also some wild animals, antelope, deer, and even the real wild animals. I don't know, maybe there are also some panthers also here, cheetahs, all those hyenas. I don't think there's hyenas here, but there are elephants here. All this forest. So I'm heading right now to the main entrance. So the taxi, actually the car, dropped me right somewhere right there, but I came from this way. The taxi dropped me right there. So that's the entrance. I don't know where you see cars. I need to fix this in the back again. Where you see cars, cars are parked there. So it is actually my first time of visiting this forest. I don't know how I can call it. I don't actually know how I can call it. Whether is it a forest, or I can put it which way. It seems also like there's a, let's cross. There's no one coming. Car coming, but let's cross. I feel like that's the main place. There's another place. Somebody call me right there. Oui, bonjour. Oui, je vais rentrer visiter. Oui. Okay. So actually, I'm at the place that is from here to do the visit, which is a park. I don't know. See, they're cleaning up all these things. It seems like it's a park, a foresty park. So, I'm doing the visit for the first time. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ok, on peut vous aider? Oui, oui. Oui. Ok, comment on fait pour visiter? Ah, ok, vous voulez visiter? Oui, oui. Ici, c'est un centre touristique. Oui. Voilà, qu'on appelle le Bois des Géants. Le Bois des Géants. Voilà. D'accord. Donc, les gens viennent faire les randonnées ici. Nous avions des sentiers. Oui. Différents sentiers. Il y a des moyens, des petits. Et il y a le long sentier qui va jusqu'à la plage. Jusqu'à la plage. Voilà, oh. Tu vas jusqu'à la plage. Oui. Donc, qui fait 5 km. À moins que si tu veux faire le grand tour, ça te fera 17 km. Mais si tu vas aller tout droit, vous allez voir que ce serait moins de 5 km. Bon, 5 km, on va dire. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Vous voulez visiter? Vous voulez aller jusqu'où? Et vous êtes seulement seul ou bien? Oui, je suis seul. C'est moi seul. Voilà. Donc, ça se passe comment? Comme c'est la première fois, ouais. Vous deviez avoir un guide. Un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui doit vous amener, vous faire visiter certains circuits, ouais. Jusqu'à ce que vous devez maintenant connaître. Et puis après, oui, l'endroit. Voilà. Oui. Après, maintenant, vous pouvez maintenant venir seul si vous connaissez. Oui. Voilà. Vous allez visiter et vous pouvez voir. On a des sites ici. Voilà. D'abord, on a des plantes qu'on peut vous parler. Allez-y. Ça c'est ma collègue Tajet. Ah. Bonjour, madame. Comme je suis occupé, oui. Vous pouvez alors s'adresser à elle. Et puis, d'accord. Vous faites la vidéo en même temps? Oui. Super. Je n'ai pas besoin d'être dans la vidéo. Hein. Ah, ok. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes. YouTubeur. Pardon? YouTubeur. YouTubeur. Oui. D'accord. Le but de la visite, c'est juste vous faire plaisir ou bien... Oui, juste pour faire des vidéos, pour faire la visite seulement. D'accord. Ici, on a des petites pistes et tout. Et maintenant, ça dépend de vous. Combien de kilomètres vous voulez marcher, ça dépend du nombre de temps que vous avez devant vous. Vous avez combien de temps pour marcher ici, là? On a des marches de 30 minutes, 40, 50, toute la journée, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça dépend de vous. Parce que quand vous nous dites que bon, voilà, peut-être moi, j'aimerais marcher une heure de temps, on ouais. sait comment on peut vous demander. Ici, là, vous voyez comme ça, il y a beaucoup de routes.
Maintenant, beaucoup de routes, là, on connaît la route. Comme pour vous dire, prenez la route là pour faire une heure de temps ou deux heures. C'est un peu ça. Oui. Mais une heure de temps, c'est bon. Une heure de temps, c'est bon. Dans, entre 30 et une heure de temps. D'accord. Pas de problème. Ok. Ça, ce sont des bois de... pour le médicament là. Tout le bois là où c'est seulement pour les pour faire les planches avec. Non, en fait, le but ici là, quand tu prends un guide, c'est justement une question. Tous ces bois que tu vois là, ça a beaucoup d'utilité. Il y a des utilités thérapeutiques, il y a des utilités médicinales, il y a des utilités même à des fins économiques, c'est-à-dire des bois qu'on exploite pour avoir de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Ah, donc tous ces bois-là servent à tout. C'est pour ça que quand tu prends un guide, le guide là justement il t'explique tout. Par exemple, je vais te donner l'exemple de ce bois-là. On l'appelle le soro. Celui-là. Quel? Celui-là. Celui-là. On l'appelle le soro. Non, celui qui est là-bas, tout droit devant moi, c'est le soro. Maintenant, lui, avec lui, on le transforme pour avoir des contreplaqués et des planches. Mais maintenant, son écorce, elle est utilisée en médecine traditionnelle pour soigner pour ceux qui sont anémiques, ceux qui ont des problèmes de sang. Si vous prenez son écorce, vous mettez dans de l'eau, vous buvez, vous faites bouillir, vous buvez. Si vous avez des problèmes de sang, ça remonte rapidement le sang. Et tu vas voir que ça va même devenir rouge comme le sang. Si tout de suite on prend la matière, on blesse un peu l'arbre à l'écorce, tu vas commencer à va couler comme le sang. C'est avec cette table-là qu'on fabrique la bétadine qu'on paye en pharmacie. Donc, quand vous faites la visite guidée ici, là, c'est ce que le guide vous explique tout le long de votre parcours. C'est ce qu'il vous explique. Donc, du coup, chaque arbre que vous voyez là, nous, les guides, nous connaissons. Donc, t'explique un peu comme je t'ai expliqué là. Voilà, il sert à quoi? Voilà son nom. Voilà son nom scientifique. Voilà son nom en français. Voilà à quoi il sert. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ça. Tout ce que vous voyez là, c'est très intéressant pour vous, les youtubeurs. Ici, voilà notre carte. On a beaucoup de circuits. Tout ce que vous voyez en couleur là, ce sont des routes, les différentes routes qu'on a dans cette forêt là. Donc on a 28 hectares aménagés pour marcher. C'est où? 28 hectares. 13 km. Pour 28 hectares. Oui, 28 hectares. On a juste fait les pistes, mais cette forêt là elle-même, elle a 6747 hectares. Toute la forêt là? Oui, toute la forêt jusqu'à là-bas, partout, l'autre côté là-bas. Mais c'est juste maintenant, ça arrive jusqu'à la plage. C'est presque 18 km. Mais maintenant, quand vous voulez marcher plus de temps, je vous conseille un circuit de 3 km. Le 3 km là, c'est. Vous allez, on est ici. Vous allez marcher comme ça là. Vous allez venir comme ça là. Vous allez arriver ici. Et vous allez revenir comme ça. Comme ça. Parce que ça là, c'est un peu trop long. Surtout vous êtes sûr. Vous ne maîtrisez non, pas. Je ne maîtrise pas. Mais maintenant, pour arriver ici. Je vais faire ceci, vous allez monter, vous voyez là à côté il y a un petit carrefour, il y a une route qui continue comme ça là, il y a une autre qui continue comme ça, vous prenez celle qui continue comme ça. Celle qui continue comme ça. Oui. Maintenant quand vous marchez, vous allez encore arriver à un grand carrefour, le carrefour là c'est ici. Et ce carrefour là, il y a une pancarte, il y a un panneau comme celui-là. Oui. Maintenant vous allez voir. La piste qui continue tout droit et celle qui prend la droite. Bon, je vais voir aussi pareil comme ça. Oui, le même tableau. C'est-à-dire le même tableau comme vous voyez comme ça là. D'accord. Il est là. D'accord. Maintenant, au lieu de faire tout droit là où il y a le panneau là, vous prenez la route qui est à gauche de ce panneau. La route qui est à gauche de ce panneau là, c'est celle-là que vous faites seulement tout droit. Tout droit. Vous ne prenez pas la gauche, vous ne prenez pas. Vous faites seulement tout droit à la route là. Comme vous voyez comment c'est droit. Vous faites seulement tout droit. Il y a un endroit où vous allez trouver un grand arbre sur la route. Il y a une bifurcation. La route continue derrière l'arbre là. Après vous sortez, vous faites seulement tout droit. Vous allez arriver ici, à un endroit qui est à peu près aménagé. Ici, il y a les bancs. Comme vous voyez les bancs posés là. Comme là-bas. Comme ici là. Oui, c'est un peu, il y a les bancs comme ça là. Les bancs comme vous voyez là. Ouais. Maintenant, ces bancs là, il y a la rivière qui passe. Cette rivière là qu'on a représentée là, en fait, c'est un lieu de pique-nique. Où les gens viennent, vous pouvez manger, passer et vous baigner dans cette rivière-là. Vous allez arriver là-bas, vous pouvez un peu vous reposer. Si vous voulez, vous lavez aussi dans cette rivière si vous voulez, si vous êtes prêts. Parce qu'il y a déjà aussi beaucoup de gens à l'intérieur. Maintenant, après ça, vous revenez par là. Là, c'est la façon la plus simple que je peux conseiller à quelqu'un d'entrer dans cette forêt. D'accord. Mais s'il faut se mélanger dans les pistes-là, il faut faire la paire à un guide. Vous allez revenir un autre jour. Vous demandez un guide et le guide là-bas vous amener dans d'autres pistes là. Vous comprenez pas vous Mais ça là c'est cher déjà. Non, c'est pas cher, c'est juste 10 000.
Avec les 1 grip. Oui, c'est pas cher. Dis-moi, c'est pas cher. Mais toi, maintenant, tu fais quoi? Hein? Quand tu m'as amené? Oui, on part. Avant? Oui. Tu es prêt pour ça? D'accord, j'arrive. Ok. En tout. Bon, je t'attends. Ok. Ouais. Alright guys, I came in this forest. I'm in this forest, but I want her to take me and show me around. Normally I can walk alone, but it's good that I should walk with somebody that will be to be discussing, so that she will to explain. She's going to explain things better for you guys. So she told me that to get somebody in here that will assist me to show me this place is going to cost me like $15. So actually, just to visit this place where I am right now, it is something roughly about $7. I think $6 to $7. Just to come here is about $6 to $7. Then now, to see somebody, like to get somebody that will take me there, will cost me about, I think roughly 13, because it's 10,000 CFA for somebody. Like to come in here, I have to pay 5,000 for the visit, just to come in here. You register 5,000, then to get in here now. Just to get in, to get somebody who will explain for you. You want to get somebody that will explain for you, you have to give extra 10,000, which are making it 15,000. So that's the issue. So you see, that's the reason why I say that I'm spending money, but I'm not yet getting anything yet from Whitey. I have not yet collected nothing from Whitey yet. No pay, not yet. But you know, spending money, which I don't even have. Not like I have, I don't even have, but I'm spending. You see, but what am I gonna do? Just to make sure I create content for you, to put it out there for you guys. That's them right there in the park. Par contre, pour recevoir 300-400 personnes par jour, oui. Faire des matchs, c'est bon. Oui, ils aiment ça. Et puis découvrir aussi, ils font appel aux gens comme moi, comme les guides. Et quand on arrive, c'est-à-dire, on fait une visite guidée comme celle qu'on va faire là. C'est pas la route là. C'est celle-là que je vous ai dit tout à l'heure, vous laissez, on fait ça. Ah, ok. C'est ça que je vous disais. Hidden high the mountain. C'est comme on c'est mon, un montant. Très monté. Du coup, vous êtes youtubeur à votre compte, vous êtes passionné de la nature. Ou bien vous parlez un peu de tout. Oui, un peu de tout. Si youtubeur, un peu de tout. Faisais des vidéos, des voyages, choses de village. Oui, des choses épiques. D'accord. Oui. Bon, on va un peu connaître cette essence-là ici. Okay. Le but avec moi, c'est qu'on va connaître quelques arbres. On a un peu cet arbre-là. Non. Cet arbre on l'appelle le mwamba jaune. Mwamba jaune. Le mwamba jaune est beaucoup utilisé en Afrique pour soigner le paludisme. Paludisme. Oui, le paludisme. C'est-à-dire lui, quand vous prenez son écorce, vous faites vous prenez un verre au moins une ou deux fois par semaine. Déjà par mesure de prévention, parce que les moustiques nous piquent chaque jour. Oui. Vous pouvez. Pour les palus. Oui. Quand vous buvez, ça chasse tout le palu qui veut se former dans votre corps. Et quand on a entendu que quand il y avait le coronavirus en Afrique, nous, on n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. Oui. On se soignait à la maison, c'était l'écorce phare pour soigner le coronavirus. Oui. Et lui aussi, également, il nous déparasite. C'est-à-dire, avec lui, on tue des vers. Quand vous en prenez à chaque fois, ça vous déparasite déjà. Déjà, ok. En même temps, il vous donne de l'énergie. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui se sent fatigué, une fois que vous prenez tout de suite ça, remonte l'énergie. Comme les gens qui prennent le 600 000, les gens qui prennent le Red Bull oui. Pour le coup de fatigue. Mais lui, quand vous prenez, il vous fait cet effet-là. Il vous redonne la pêche et l'énergie. Ah. Ok. Bon, ça veut dire que chaque bois a son maladie qui soigne. Oui, exactement. C'est vrai que beaucoup de bois peuvent soigner beaucoup de maladies en même temps. Au moins,
vraiment raison principale et c'est sa spécificité, chaque essence a sa particularité. Ah. Wow, il y a des bois ici qui sont le plus vieux bois ici là, c'est quand ils sont combien de l'âge? Le plus vieux bois, plus de 400 ans. 400 ans. Mm-hmm. Par exemple, celui-là peut-être qui s'est passé 500 ans. Il a moins de 200 ans. Moins de 200. Oui, parce qu'il fait partie des essences les plus dures, les essences très protégées. Et les essences très protégées, ce sont des bois durs qui grandissent doucement. Ça a besoin de plus de temps. Par exemple, ce bois-là, c'est le koumé. Lui, il grandit rapidement. Donc, ça veut dire que là, lui, il a une quinzaine d'années. Alors qu'il peut avoir la même taille que celui-là. Celui-là. Mais celui-là, il est tel. Les arbres durs, ils grandissent tout doucement. Doucement. C'est pour ça que ce sont des essences très protégées. Parce que si on le coupe, il va prendre combien de temps combien pour avoir encore un grand? Oui, c'est vrai. On a à peu c'est ça près qu'on celui-là. Protège. Oui, c'est pour ça qu'on le protège. On a à peu près celui-là, cette liane-là. C'est à qui monte comme ça, là. C'est, voilà son nom. On l'appelle la liane à eau. De son nom scientifique, Tetracera alifolia. Oh, Tetracera alifolia. C'est son nom scientifique. Cette liane-là, c'est une liane où on recouvre suffisamment de l'eau à l'intérieur. Si vous la coupez, il y a beaucoup d'eau qui va sortir là, comme dans le robinet. Et l'eau là, c'est pour l'eau faire quoi? Là, c'est potable, c'est buvable. C'est buvable, hein? Oui, donc du coup, si quelqu'un, tu te retrouves dans un endroit où tu n'as pas de l'eau, il peut t'aider à survivre en forêt. J'ai vu ça sur un documentaire. Ah, voilà. J'ai vu ça. Bon, l'eau, c'est voilà. Ça là. On utilise ça même comme le colle, comme la colle. Oui, aussi. En fait, il y a un autre qu'on utilise comme la colle, mais c'est pas la même liane. Mais non, lui... Il soigne notamment beaucoup de maladies telles que ceux qui ont les mal des yeux, problèmes des yeux. Oui. Si vous prenez ce truc-là, vous lavez à chaque fois les yeux. Vous allez voir que vous allez de plus en plus, peut-être si vous dépendez des lunettes pour voir, vous n'allez plus dépendre des lunettes, ça va partir. Oh. Ça soigne. Déjà, lui, il soigne les enfants qui ont un retard de croissance. Parfois, il y a des enfants, oh non, mon enfant, il devait y parler, mais pourquoi l'enfant là, ne parle pas? Oh. Tu lui donnes le soto-là, ça va l'amener à sa croissance. Oh, l'enfant là ne marche pas. Les enfants, tous les enfants marchent à un an, mais pourquoi plus d'un an tu ne marches pas? Tu lui donnes ce taux là, l'eau là. Déjà, tu vas voir les choses changer. Celui qui prend régulièrement de ce taux est moins exposé aux maladies sexuellement transmissibles. Mm-hmm. Mais il faut toujours se protéger. Oui. Il ne faut pas compter qu'on prend de ce taux. Quand vous le prenez de façon naturelle, ça soigne même beaucoup de maladies à l'intérieur de vous. Vous pouvez voir plein de changements. Par exemple, ça pour. Si vous prenez ça, vous écrasez. Ça soigne les plaies incurables. La plaie que tu soignes à l'hôpital, ça ne se soigne pas. Quand tu prends ça peau là, tu mets la poudre là. Ça va pas. Si c'est une malade, si c'est une plaie normale, parce que chez nous on a fait toujours des choses, on peut te lancer une plaie et tout. Si c'est une plaie normale, ça va guérir. Oh. Donc je vois que ça chasse à sa particularité. Ça passe. Oui. Wow. Et c'est ça que cette forêt là. Elle est mise à la disposition de tout le monde pour que les gens viennent connaître la forêt africaine, la forêt tropicale. Tropicale, oui. Surtout, c'est justement ça le but. Quand vous venez comme ça, vous prenez quelqu'un. Nous qui avons fait l'école dans le domaine, on essaie de partager un peu le peu que nous connaissons pour que nous, aujourd'hui, parfois le blanc vient. Le blanc, il maîtrise mieux la forêt que nous. On est là, on ne connaît rien. Il y a des gens même ici à Libreville. Leurs parents, un blanc revient de l'étranger, lui, les Gabonais, l'amène ici. Oh non, il veut voir la forêt. Quand on arrive, tu as comme l'impression que moi, je parle même bien avec le blanc parce que lui, il connaît. Parfois, le frère Gabonais, il est là, il te regarde parce qu'il ne connaît pas de quoi il s'agit. Oui. Alors, tu vois que c'est important de visiter nos forêts. C'est vraiment important. C'est vrai, c'est très important. Mm-hmm. Wow. C'est la première fois ici, là. Ouais. J'étais à Borantum. C'est à Borantum, en Borantum. De Siban. De Siban, oui. Mm-hmm. Vous avez fait une visite avec un guide. Oui, avec un guide. Et on avait à peu près les mêmes essences. Ils avaient... Quelle est l'essence qui t'a beaucoup marqué là-bas? Ah, aussi, oui, aussi, c'est... Il m'a dit là-bas, c'est pour les recherches. Ah oui. Faisait la recherche là-bas. Oui, la recherche, le Sénarès. Oui, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit là-bas, c'est comme un jardin botanique. Oui, exactement. C'est vrai. Moi aussi, j'ai travaillé là-bas.
Je vois que c'est beaucoup libre pour la recherche, le Sénarex. Ils font beaucoup de recherches, mais ici, on est plus dans l'écotourisme. Oui. Ici, nous faisons l'écotourisme. Tous ceux qui veulent connaître la forêt gabonaise, les essences, les visiter, être, avoir les professionnels à leur disposition pour les expliquer, et poser des questions sur des essences qui croisent sur leur route, quoi. Ouais. C'est un peu ça ici chez nous. C'est un peu ça. Mais comme là-bas, c'est plus petit par rapport à ici. Oui, ici, là, c'est beaucoup grand. Là-bas, c'est vraiment petit. À peine tu as marché et c'est fini. Alors ouais. Qu'ici, c'est plus que ça. Tu peux passer toute une nuit, toute une journée ici, la nuit. Tu vas toujours marcher, tu ne vas jamais passer au même endroit. Tu le bon, fais vous temps, êtes là hein. Jusqu'à la nuit. Bon, la nuit. On fait les rotations. Ok, ok, il y a les gens qui... rotations, c'est-à-dire, il y a d'autres qui dorment, surtout les hommes. Il y a d'autres qui rentrent. Et on fait un peu les rotations. On a plusieurs sites de l'autre côté. Donc il y a d'autres agents qui sont de l'autre côté. De l'autre côté. Il y a d'autres qui sont... Oui, là où on a garé les voitures. Bon, l'autre côté là-bas, Santa Clara. Vous habitez où? À Libanais. À Libanais. Oui. Quand vous êtes venu en Clando. Oui. Lui. Le Clando vous a déposé au Amba, en bas là-bas, là vous êtes vous revenu. Oui, il m'a dépassé. Ah oui. Oui. Un peu en bas là-bas, vers là où... les maisons commencent à bonne une base, on a aussi l'autre à Santa Clara. Santa Clara. L'autre à Malibé 2 et l'autre ici. Et le carrefour Santa Clara, là, il y a un camp comme un camp militaire, c'est aussi chez nous. Oh, ici là. Là ça c'est elle. Hmm? C'est elle. Non, je ne sais pas faire les hommes. Ah. Je vais demander même que, parce qu'il y a les animaux ici. Oui, madame. Tu as été doucement avec les dames? Oui. Il y a encore quelqu'un là-bas? Non, il n'y a pas de problème. Je vais récupérer un toucher. Oui, j'ai dit, Prince est là-bas. J'ai demandé à Prince que les dames vont récupérer la résine. Ok, parce que j'ai aussi un truc à récupérer. Some people hide there. So she's telling me about the forest, giving me enlightenment about some of these sticks right here. What actually can cure that edge and every stick here have their own used and their own purpose, that they cured illness, natural herbs, they are natural with the tree skin, this tree skin, that each of this tree that you see, that from the back, it has its cure of all sort of diseases that that you can find in the world. So the forest is full with a lot of talent, a lot of things. So yeah, right there behind me. I don't know if you guys can see them. So that's it. Like I was saying, you know, it's pretty expensive to visit such places like this, especially this park, a park like this one. But we have no choice, guys. I have no choice but just to do it because I want a quality content for you guys, and so that you guys should see and learn, so that if anybody that is watching my video should at least learn something from the video. So we'll continue as she comes. We're gonna continue. Sorry that we're speaking French. I will try all it's impossible to see I can translate it in English. Bon, je disais que je te demandais s'il y a encore les animaux ici. Oui, il y a des animaux ici. On a des animaux tels que les chimpanzés. Les chimpanzés. Oui, les chimpanzés. Chimpanzés. Les petits frères du gorille. C'est comme des gorilles. Oui. Oui, on en a. On a des pitons, des ici. Sangliers. Oui. Des pitons, des sangliers, des vipères, des mambas noirs, mambas blancs, mambas verts. On a des singes, on a des huissitis, des tortues, des porcs épics. On a vraiment beaucoup des animaux ici. Il y en a. Il n'y a pas les éléphants. Ils se font discrets. Non, il n'y a pas d'éléphant. Il n'y a pas tout animal qui est nuisible pour ceux qui marchent. Mmh. C'est un peu ça. C'est le tableau que je vous disais. Ah. Que quand vous allez arriver, vous allez prendre ce carrefour là. Il y a quoi? Il y a une route ici. Ici, c'est barré. C'est barré. On fait des travaux là-bas parce qu'on est en train de faire les ponts en dessus des arbres là-bas. Les gens vont faire les visites en haut des arbres. Ah, ok, ok, ok. C'est ce qu'on est en train de faire là-bas. Quand on va nous livrer le chantier, yeah. C'est là où on va okay. Pour éviter que les gens partent déjà voir la surprise. C'est
Ça, c'est comme Aborantum aussi. La Ponda. Voilà, ça, c'est le nom de la réserve. Oui, ça, c'est le. C'est que tu m'as monté là-bas, à l'entrée. C'est lui qui a créé le parc. Non, c'est pas lui qui a créé. Cette forêt-là, c'est l'une des premières forêts que l'exploitation forestière commence au Gabon. Ici? Oui, c'est l'une des premières forêts. Oh. Aujourd'hui, vous connaissez le quartier Estefo? Estefo, j'ai écouté ça, oui. Écoutez, oui. Avant, ce n'était pas le nom Estefo, c'était l'abréviation de la société qui exploitait le bois ici, bien avant les indépendances. Cette forêt-là, on a commencé à couper le bois. Maintenant, en 1951, on décide qu'on ne coupe plus le bois dans cette forêt. Cette forêt, on la laisse régénérer. Régénérer. Qu'on a besoin d'une forêt à côté de la capitale gabonaise. Oui. Alors, en 1951, on décide qu'on ne coupe plus le bois ici. Alors, on a donné le nom de cette forêt, la forêt classée de la Monda. Maintenant, en ce moment-là, la forêt est sous la gestion du ministère des Eaux et Forêts au Gabon. Oui. Et en ce moment-là, elle est mise à la disposition des chercheurs. Pour ceux qui travaillent, qui font les études un peu dans la forêt, qui font des études pour les études des végétaux, pour toute personne, pour tout chercheur qui fait des recherches, c'était à leur disposition. Maintenant, en 2012, quand on donne la gestion de cette forêt à l'Agence nationale des parcs nationaux, c'est là où on change le nom, on met Aborantum Raponda Walker. Raponda Walker, c'est le nom du monsieur. C'est l'un des premiers missionnaires au Gabon. Il est né d'un père explorateur en anglais, un explorateur anglais qui est venu au Gabon. Il est tombé amoureux d'une princesse. Ouais. Le roi Denis Rapotumbo, qui était, on peut dire, le premier président du Gabon, mais à l'époque, on avait encore les rois. Ouais. Le premier roi du Gabon. L'une de ses filles. Oui. Et cet explorateur est tombé amoureux d'eux. Le roi des princes. C'est prince quoi? Le roi Denis Rapotumbo. Denis Rapotumbo. L'une de ses filles, l'explorateur anglais, M. Napoléon Walker, est tombé amoureux d'elle. Et puis ils ont eu Raponda Walker. Ah. Quand ils ont eu Raponda Walker, son père l'a reconnu. Il est parti vivre un peu en Angleterre chez son père. Oui. Après, il est revenu à l'âge de 4 ans. Il a fait ses études au collège Sainte-Marie. Oui. Au sorti de là, il devient grand prêtre. Dans l'exercice de ses fonctions partout dans les nord provinces du Gabon, il est confronté à un problème, c'est parce que lui, les Miennes, ce sont des gens un peu qui aiment beaucoup la tradition. Alors, à ce moment-là, il commence à, en exerçant en tant que prêtre, il commence encore à. Il commence à écrire, à étudier les rites et coutumes des peuples du Gabon. Maintenant, l'ethnie Togo. Oui. Quand il arrive là-bas, il veut écrire sur les choses, la vie des Togo, l'ethnie des Togo. C'est comme ça que les Togolais disent non, tu n'as pas le droit d'écrire des choses sur nous sans pourtant que tu sois un initié. Il faut être initié pour connaître les choses chez nous. Donc c'est comme ça que le monsieur Raponda Walker, il écrit à Rome. C'est vrai que je suis un prêtre et tout, mais moi j'ai envie de connaître l'ethnie, les peuples du Gabon et tout, comment faire. J'ai envie de m'initier. Là, il a eu un petit souci un peu avec l'église, mais Dieu merci, ils ont lâché prise, il s'est fait initier, et après son initiation au Muri, chez les Togo, au sorti de là, il a une grande connaissance encore plus élevée même des rites et croyances des peuples du Gabon. Alors là, il commence à écrire des grands livres sur la végétation, sur les arbres du Gabon, sur les arbres, tout ce qui est forêt gabonaise. Oui. Aujourd'hui au Gabon, pour parler de la forêt gabonaise, ces livres sont incontournables. Si tu veux tout connaître sur la forêt gabonaise, ces livres sont incontournables. Je vais te présenter cette essence-là. C'est celui-là. Voilà son nom, c'est Andoc. De son nom scientifique, Ivencia gabonensis. Ivencia gabonensis, oui. C'est l'une des essences que nous aimons tous, que nous consommons tous au Gabon. Vous avez déjà mangé la sauce de chocolat? Oui. C'est ce table-là, notamment au mois de novembre, décembre, qui donne des fruits. Ces fruits-là sont comme les petites mangues, on appelle ça les mangues de forêt. Oui. Et ce sont ces mangues-là qu'on prend quand ça tombe. On prend le chocolat. On prend le noyau de ça. C'est avec ça qu'on fait sécher, après sécher son noyau, on grille, après griller, on pile, on a le chocolat qu'on mange une soupe avec. C'est le bois là. Oui. Ok. Mais maintenant, lui, c'est une essence très protégée au Gabon. C'est un arbre très dur. Il est protégé, vous pouvez faire de la prison si vous le coupez. Si on te retrouve avec son bois que vous avez coupé. C'est vraiment une essence très protégée au Gabon. Notamment avec lui, il peut vous sauver une vie.
Si vous partez en forêt et que vous êtes fait mordre par n'importe quel serpent, vous pouvez prendre fraîchement son écorce, mélanger avec le sel, vous miettez, vous mettez là où la personne, le serpent l'a mordu, ça peut freiner le venin et la personne peut tenir 24 heures de temps. Ah bon? Ah oui. Avec ça? Oui, avec, son, avec cette écorce. Yes, that's a medicine for snake bite. Actually, the medicine of snake bite. Wow. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ça, la forêt était là depuis avant l'indépendance. Oui, cette forêt-là, bien avant les indépendances. Ah. Oh. Ça, il y a quoi à l'intérieur? Ça? C'est... Attends d'abord. Oh là là! C'est des fruits très savoureux. C'est très bon. On l'appelle le pentadesma. Pentadesma? Oui, c'est un fruit. Oh là là! Oh, tout c'est gaspillé. Oui, c'est celui qui est bon. Oh. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est un fruit très bon et savoureux. On n'est pas passé ici depuis le début, tout s'est gaspillé. C'est un fruit très bon. Ça a sorti sur le gros bois. Oui, le gros lap là. Waouh. Oh là là. C'est très 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 bon. Tout s'est gaspillé. Sinon je vais vous faire goûter ça. C'est un fruit sauvage que nous on aime bien. Ah, okay. Comme sombre. C'est sombre. Ça c'est okomi. Okomi. Wow. Okomi. Okomi, ça c'est le nom en anglais, c'est quoi? C'est Iroko. Le nom en anglais, je connais pas. Moi, okomi, ça c'est pour ça, c'est Allah. Bon, okomi, c'est en français. Okomi, okomi, c'est son nom. C'est son nom en français. Waouh, je l'ai prise de cette table là. D'okomi, il donne une serve. Oui, c'est sa serve que tu vois là. Et cette sève-là, c'est un encens naturel. L'okomi, on le retrouve en Afrique centrale. Oui, ça donne et la santé. Il smell like a perfume. Oui, mais maintenant, lui, il actually smell like a perfume. La première lampe de nous, les Bantous. À l'époque, nous, on n'avait pas de lampe, on n'avait rien. On récoltait cette résine-là qu'on allumait pour éclairer nos maisons à l'époque. Oui. Et quand vous allumez cette résine, s'il y a un serpent qui est tout près de là, il va fuir. Il va fuir. À cause de l'odeur. S'il y a un éléphant qui vient vers nous, il va fuir, il va prendre une direction. Il chasse tout autour de nous. Les moustiques, ils chassent tout. Depuis que vous êtes entré, il y a un moustique qui vous a piqué. Non. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de l'arbre au commun. Et quand la sève là sort, quand l'odeur là part, ça chasse. Ça chasse mon fils. Dans les forêts comme ça, tu dois piquer, piquer. Oui, partout, oui, partout. Oui, oui. À cause de quand j'étais là-bas à Boandom, il y avait trop de moustiques là-bas. C'est ça. Ici là, tu vas marcher, tu vas même sortir, même pas un moustique qui te pique. C'est vrai qu'un moustique peut avoir le courage, mais il y a moins. Déjà, cette résine-là, les industries dans le monde telles que Yves Saint-Laurent, Dior, dans leur parfum, ils utilisent cette sève-là pour mettre ça dans leur parfum. Mm-hmm. Les rouges à lèvres de qualité, les fonds de teint de qualité qu'on vend dans le monde cher, là, il y a la sève de Koumé là-dedans. Ils font venir ça du bassin du Congo pour l'Europe pour fabriquer des produits de qualité en cosmétique. Oh, okay. Un produit de qualité, il y a forcément la résine de Koumé, même si parfois ils ne prennent pas la peine de mettre tout ça là dans la composition de leur produit, mais il y a la résine de Koumé là-dedans. Cette résine-là, vous la prenez franchement, vous mettez dans de l'eau que vous avez là. Si c'est de l'eau que vous avez même pris partout là, ça tue tous les microbes. Ça neutralise le calcaire. Ça filtre tout. Quand vous prenez un peu là, fraîchement comme ça, là, vous mettez dans la bouteille. Vous-même, quand vous buvez même ça, ça vous nettoie la poitrine. Si vous fumez, et que, on dit souvent les fumeurs, et ça détruit, ça nettoie. Ça nettoie les reins. Parfois, il y a des gens, parfois, on te dit que tu as des urines trop foncées, c'est pas bien. Ouais. Quand vous prenez cette sève à cheveux, vous mettez dans de l'eau, ça vous nettoie, vous allez voir les urines reprennent la bonne couleur. Ça nettoie les femmes, les trompes, les femmes qui ont les trompes bouchées, tout ça, là, ça nettoie tout. Waouh.
On a vraiment tout. Attends, je vais aller. Wow. It's really interesting. It's really interesting, guys. Really, really interesting. Wow. C'est magnifique. Magnifique. C'est toujours ça. Là, non. Là, c'est une autre essence qu'on appelle Ozigo. Ozigo. Ozigo, oui. Ozigo. Ozigo. Oh là là. Ozigo. Lui, c'est son petit frère. Ils sont tous de la même famille. Donc, même en forêt, les arbres, ils ont des familles. Leur famille, c'est la famille des Buseracées. Oui. Ils ont une particularité, c'est d'avoir la serve. Lui aussi, là, la serve. Cette sève-là, c'est parce qu'elle est un peu coagulée. Ouais. Je dois... Là, le fruit là m'a sali comme ça. Oh. Je dois normalement... Cette sève-là, elle aussi, si j'allume le feu, là, ça va s'allumer. Ça va s'allumer. C'est un bon parfum. Oh. Le parfum, là, c'est cette sève-là qu'on utilise pour fabriquer l'encens à l'église catholique. L'église des catholiques, là, vous pouvez quand les prêtres... Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ça sent bien. Ça, it actually smells nice that they use it in Catholic Church. Une petite odeur. Oui, oui. Parce que je n'ai pas assez, c'est pour ça que j'ai un peu blessé pour que ça sorte. Donc, c'est lui qu'on utilise dans les églises catholiques pour cet encens-là. C'est spécialement ça, celle qu'on prend pour fabriquer. Bon, ça dit qu'on avait nous menti. On dit que ça, ce sont des fourmis qui ont bu. On a tout dans notre forêt. Waouh! Et la tanga. Oui. Pour vous, on mange là. Il y a souvent des petits atangas, tout petits comme ça, là, oui. Sur cette table-là, qui nous donne les atangas là. Ah donc, bon? Oui. Et ça, quand c'est sa saison, ça tombe et on ramasse la saison des atangas. C'est lui qui donne les petits atangas qu'on mange. On prend là pour manger. Donc les gens partent en forêt, ils ramassent, ils amènent, ils vendent ça. Okay. Wow. It's amazing. It's really, really amazing. Wow. It's really, really amazing. Mais tout ça là, tu connais tout ça là comment? Ça me dépasse? J'ai fait l'école pour ça. Ah, ok, oui. On oui. Fait l'école pour ça. Foresterie. J'ai fait l'école en écotourisme. Écotourisme. Ah oui, écotourisme. She did ecotourism. I said, like, how did she know all this? She said, because she did ecotourism. She knows a lot. Look at where we are. She wanna check on something. Bonjour, vous montrer ceci. Ça, c'est un genre de rotin. En forêt gabonaise, on a plusieurs rotins. Mm-hmm. Celui-là a une particularité, c'est que vous pouvez toutefois communiquer avec lui sans pourtant parler. Parce que nous qui travaillons en forêt, la façon que quand l'animal parle, nous on sait que ça c'est l'animal. Oh, ici ils savent que nous aussi quand on parle ça, ce sont des êtres humains. Mm-hmm. Donc maintenant, avec lui, on peut communiquer sans parler. Avec les animaux? Non, avec l'autre. Par exemple, là où tu es là. Ah oui, oui. Bon, toi tu dis bon, toi tu pars, tu prends la piste là, moi je prends ça. Maintenant, on va se communiquer pour savoir si tout va bien. Ou bien, si moi j'arrive d'abord à la route pour te faire signe, que moi je suis déjà à la route, je vais donc utiliser ça pour te parler sans pourtant crier. Ah. Ou bien, par exemple, nous, on peut arriver avec un troupeau d'éléphants, nous poussions en forêt. Chacun prend sa route. Maintenant, pour savoir si chacun va bien, on peut communiquer avec ça. Donc, par exemple, moi je vais faire un son très simple avec. Donc, avec lui. Oui, ça part. Ça fait l'écho. Oui, ça fait l'écho. Même beaucoup de mes collègues, ils peuvent même faire un rythme. Mais là, avec j'ai fait ça de façon simple. Oui. Alors, il y a beaucoup de mes collègues. Quand sans crier. Oui, quand ils ont la maîtrise, tu entends comme ils font même rythme, comme le son et tout ça là. Oui, il attend. Avec ça là, si vous êtes dans une forêt, il y a des animaux. Oui. Vous pouvez tromper leur vigilance juste avec lui parce que. Nous, on est souvent confrontés au problème des buffles qui nous poussent en forêt, bien les éléphants. Oui. Mais si, quand vous parlez, rapidement, ils vous retrouvent. Mm-hmm. Alors que si vous ne parlez pas, vous communiquez avec ça, il ne va jamais vous retrouver parce qu'il se dit que ça, c'est le bruit d'un arbre, puisque eux, ils vivent déjà avec les arbres. Les arbres, oui. C'est un peu ça. Uh-huh. Celui-là,
ce bois-là, on l'appelle azobé. C'est un bois très très dur du Gabon. C'est grand. Lui, hein? Notamment. C'est grand. Bien avant, à l'époque, où nos mamans n'avaient pas de make-up, n'avaient pas de rouge à lèvres, n'avaient pas de crème pour embellir l'été aujourd'hui. Ouais. Ça servait de l'écorce de ce table-là. C'est ça qu'on utilise. Utilisait, il transformait ça pour le rouge à lèvres. Ah. Il l'utilisait pour en mettre au corps, pour que le teint brille, que le teint soit bien propre aujourd'hui. Nous, on a les crèmes pour ça. Ils utilisaient. C'est ça, ils utilisaient. Pour se maquiller, pour faire le fond de teint. Donc, l'écorce de cette table-là était vraiment adaptée pour prendre soin de la femme, pour faire en sorte que la femme soit belle. L'écorce de l'azobé. C'est un bois très, très dur. Ce bois-là, c'est tellement bois dur que si vous connaissez le chemin de fer du Gabon, le chemin de fer de notre pays, il a déjà plus de 50 ans. Et c'est ce bois-là qu'on a utilisé pour faire le chemin de fer. Notre chemin de fer, jusqu'aujourd'hui, le chemin de fer là, est toujours là. Et les bois-là sont tellement durs que ça fait près de 100 ans, combien ça ne se gaspille pas. Sans pourri. C'est un bois très, très dur. Du Gabon, c'est avec nous qu'on fait les ponts qu'on a souvent dans l'arrière, puis là, c'est les ponts. Oui, oui, j'ai vu. C'est plus ça se bon bois qu'on utilise. Waouh! Bon, celui-là, c'est celui, on va le voir un peu devant là, il est là, le soro. C'est celui que je vous ai expliqué tout à l'heure là, que avec lui, si vous êtes anémique, problème de sang, oui, oui. Vous pouvez tout simplement prendre son écorce. Bon, on va un peu le blesser. On peut le blesser là. Automatiquement, on a un peu. Parce que je ne suis pas blessé fort. Non. C'est plus qu'il coule là. Parce qu'au fur et à mesure que ça coule, c'est un peu rouge comme du sang. Parce qu'il y a eu un peu la pluie. Ça coule un peu comme le sang. Ça veut dire qu'on fait la bétadine et vous avez des problèmes de hors sang. Ça remonte rapidement le sang. Et il donne aussi des fruits en saison. Ces fruits-là, on enlève les petites graines qu'il y a à l'intérieur. C'est une épice. Et chez nous, au Gabon, on a le plat qu'on appelle l'onkoumou. L'onkoumou, on le prépare généralement avec le sel indigène. Et pour fabriquer ce sel indigène, il faut l'épice de ce table-là qu'on prend pour faire ce sel indigène. C'est ça qui nous donne, qui nous rend notre mets l'onkoumou aussi original parce qu'on utilise plus. Des produits complètement bio qui sortent de la forêt. Wow. Somewhere going this way or take this way. Ici là, ça part où? Ce sera notre retour. Ah, ok. D'accord. Wow. It is actually amazing. It's actually amazing for me to also learn because I'm also learning many things. I'm learning from this. Okay. So me come here at half place comme ça. Je me dis merci. Oui. It's good for me to be like this. It's actually amazing. Wow. She wanna get some water to talk. Sleep. Vous pouvez humer. Got leaves. Ça, c'est comme ce qu'on masse le corps avec. Et justement, ça, c'est le menthol de forêt. It's just like a mentholanto. Is it like mentholanto? Exactly like mentholanto, guys. Oh! On masse le corps avec. Non, lui, pour ceux qui souffrent de la sinusite, vous prenez au maximum de ses écorces. Vous mettez, vous faites bouillir, vous faites un sauna, vous faites entrer la chaleur là par la bouche et le nez, ça soigne la sinusite. Mmh. Pour ceux qui sont grippés, vous prenez, vous mettez dans votre thé qui chauffe, vous buvez, ça vous soulage. Lui, les industries utilisent cette écorce-là pour nous fabriquer les mantelantons que nous utilisons, les bombes de massage que nous payons en pharmacie. Mmh. Par-ci, par-là, c'est cette écorce-là qu'on utilise. Oh. Il met ça, il me mélange ça avec. Et on l'appelle philobotrion. C'est pareil. Ça veut dire que toutes les choses que les blancs fabriquent, aller faire ça, nous envoyer ça pour payer là, ils en trouvent ça dans la forêt. Tout est là. Mon Dieu. Tout est là. Oh.
tout est là, c'est juste c'est pour nous faire comprendre qu'on n'a rien et pourtant il y a un potentiel au Gabon. Je veux pas au Gabon, en Afrique quoi. La forêt, tout ce qu'ils utilisent... Le bois-là est tombé seul. Celui-là est tombé seul. Oui, il est tombé seul par le poids de l'âge là. On appelle ça un chablis. C'est comme si c'était même déjà pourri. Oui, c'est des vieux arbres. Plus qu'ici, là, nous, on est complètement dans la préservation. En étant dans la préservation, on ne coupe pas les arbres. C'est quand l'arbre est déjà trop vieux, comme ça. Là, maintenant, on va faire comment? On va venir couper. Bon, on va juste couper et... Laisser ça pour pourrir. Oui. Et puis, on va juste dégager la route. Oui. Oh, merci même que je n'étais pas tombé même sur... les gens. Oui, on a souvent la chance qu'on n'a jamais eu d'incident. Ça veut dire fort. Mm-hmm. Wow, c'est amazing. C'est actuellement amazing. It's really, really amazing to see all these things. See where we're going to. Oh, la pluie là, ça m'énerve. Subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Quoi, la pluie? Ouais, ça m'énerve. Il pleurait déjà. Ici, là, c'est une zone, les zones Ramsar. Ce sont des endroits où il pleut régulièrement. Ici, là? Bon, au Cap, quoi, le Cap. Ah, ok. Ça, général, ça c'est pour le miel. Plus de pluie. C'est pour le miel. C'est une poubelle. Oh. Enfin, on a fait des poubelles un peu discrètes. Ah, ok, oui. Oui, quand tu as le plastique, tu mets à l'intérieur. Si tu finis le bois là, tu peux les jeter ta bouteille. C'est très important. Mm-hmm. Sinon, ici là, on va trouver le plastique partout. Exactement. Mais malgré ça, une fois par semaine, on passe. Pour ceux qui ne sont pas civilisés, oui. Ils jettent partout. Nous, on ramasse. Il y a les Africains comme ça. Hein. Mm-hmm. Ils viennent même, trouvent même la poubelle, mais ils ne mettent pas ça à l'intérieur. Ils mettent ça dehors. Mm-hmm. Côté. Waouh! So we are actually coming from all that way and we are heading this way. Subscribe to the channel, give the video a like if you find it interesting, share the video and we are touring the forest, the park. Et si ça c'est la forêt ou ça c'est un parc? Ici c'est une aire protégée. C'est une aire protégée. Tout ce qu'on appelle parc, ça veut dire que c'est protégée, ce sont des forêts que il y a l'ordre qui règne dans cette forêt. Alors vous ne pouvez pas entrer sans la permission des personnes qui gèrent la forêt. Qui gèrent la forêt, vous n'avez pas le droit de couper les arbres ni de prendre quelque chose sans leur permission. Permission, oui. C'est ça, un parc ou une aire protégée. Oui. Mais en un mot, tout ça là, c'est la forêt, quoi. Mais c'est que c'est réglementé. Parce que les forêts que tu pars, tu arrives, tu coupes l'arbre. Oui. Tu coupes les arbres, tu fais ce que tu veux. Oui. Tu prends la bouteille là, tu jettes. Alors qu'ici... Si on te voit jeter, on peut te dire ramasse. Si tu ne ramasses pas, on peut te coller des amendes. Oui. Alors qu'ailleurs, c'est différent. Regarde un peu comme les routes sont bien, parce que c'est nous tous qui nettoyons. Quand oui. L'herbe vient un peu vers la route, on prend la débroussailleuse, on coupe un peu pour éviter qu'un serpent vienne te trouver à la route. Oui. Donc, c'est un peu avec la différence avec les parcs. Parce que c'est encadré, c'est entretenu. Mmh. Il y a un personnel qui est derrière, oui. Qui est à la disposition pour que la forêt soit toujours belle. Bien. Oui. C'est un peu ça. Wow. Alors qu'une forêt où c'est juste la forêt comme ça, là, sans que ça soit protégé, bien que ça soit un parc. Tu vas trouver même que peut-être la piste est déjà fermée, c'est pas entretenu, personne ne veut venir parce que c'est sale. Oui, c'est magnifique. Mm-hmm. Magnifique. Si c'est bien à cause il n'y a pas les mosquites ici. Ouais. Il n'y a pas. C'est super. Waouh. Bon, les gens même venir faire les recherches ici. Mm-hmm. On dit quoi c'est le médecin. La médecin. Mm-hmm. Venir faire la recherche aussi. Mm-hmm. Ici. Ici. Oui. C'est la forêt qui est plus mise à la disposition pour les recherches, c'est là où vous étiez à Siban. À Siban. C'est vraiment là-bas qu'on a donné, c'est cette forêt qu'on a donné aux chercheurs. Mais les animaux... Mais maintenant, s'ils veulent le faire ici, ils demandent une autorisation d'une autre direction. Et ils peuvent aussi le faire ici. Mais on sait que là-bas, la forêt où vous étiez à Siban, c'est vraiment adapté et connu. À Libreville, que c'est là-bas que quand un chercheur veut rapidement partir, sans autorisation, il faut qu'il arrive, il monte seulement sa carte, je suis un chercheur. Oui.
il entre même le même jour, alors que ici, là, tu peux d'abord demander l'autorisation, le temps qu'on va te donner l'accord et tout et tout ça. Et il faut que tu dises aussi le nombre de temps que tu as envie de faire tes recherches. Ta recherche, alors oui. Que là-bas, tu n'as pas de temps limité. Oui. C'est à ta disposition. Tu viens oui. quand tu veux et tu fais ce que tu veux, quoi. Tu veux, oui. En tant que chercheur. Oui, oui, c'est vrai. Alors que si nous sommes plus dans le tourisme, donc tous ceux qui viennent au Gabon, qui veulent connaître la forêt gabonaise, c'est la première vitrine, le premier parc, le premier air protégé qui peut accéder pour voir une vraie forêt. Parce que ici, c'est vraiment déjà presque une forêt primaire. Parce qu'une forêt que depuis 1900, c'est bien avant l'indépendance qu'on a laissé la forêt remonter, parce que pour avoir des si grands arbres, ça demande beaucoup d'années. Et c'est purement la forêt à l'état pur. C'est pas une forêt trafiquée pour dire que ah, c'est une forêt que là, on a planté. C'est vraiment une vieille forêt. Et encore, c'est une forêt naturelle. Une forêt naturelle, complètement naturelle. Et on voit des grands arbres, c'est pas des petits arbres, c'est des arbres qui ont les 200 ans, les 300 ans, les 400 ans, les 50 ans, 100 ans, 150 ans. Ce sont vraiment des arbres là qu'on a su protéger durant toutes ces années. Wow. C'est magnifique. Grande, de l'eau là-bas aussi, et encore, c'est long encore. Mais oui, l'eau naturelle est toujours noire. Là où, non, là où que tu m'as dit qu'on va trouver de l'eau. Dans oui, c'est une rivière. C'est long encore ici encore. Tu veux dire qu'on va? Non, c'est plus loin. C'est à cause de la batterie. Ça peut tout là. S'arrêter. Ça va, ça peut. C'est arrêté, si. Pas bien. Ce n'est plus loin d'ici. C'est plus loin. Oh, tu marches comme l'homme. Oh mon frère, ça là c'est même une petite caresse. Ah bon? Tu connais où je marche? Là, je walk like a man. Jusqu'à 18 km d'ici là, c'est loin. Oh, tu vois comment je marche, les vieux sont là, ils transpirent. C'est mon boulot, je marche tous les jours. Je marche des kilomètres tous les jours. Oh. Wow. Moi je mange même parfois justement en cause de machin des visiteurs, mais si ça dépend de moi. Si c'était même à mon rythme, je vendais déjà même plus. T'as rien. Les rails que tu vois là, oui. Ce sont les rails qu'à l'époque, quand on exploitait le bois ici, ce sont les rails qu'on avait conçus pour acheminer le bois vers la mer. Ah bon? Oui. C'était les rails qui me prouvent qu'il y a eu l'exploitation forestière ici. Parce ici. Qu'ils font acheminer les bigs là sur les rails. Ah. Parce qu'un être humain ne peut pas porter ça. Oui, oui. C'est les rails les conduisaient jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer. Mm-hmm. Pour exploiter, pour partir, pour amener ça en Europe. Oui, pour amener ça en Europe. Et la mer, elle est à 10 km d'ici. Ah, mm-hmm. C'est pas trop loin? Oui, c'est pas trop loin. Place. Wow, it's fascinating. It's fascinating. Support this channel by subscribing. Subscribe to your boy Asai Hoy. Subscribe to the channel. Give the video a like. Exploring the forest. One of the oldest forests in Gabon. Wow. Ooh, ici là, c'est comme. Wow. Look at this spot. Look at this spot. Where are you coming from? Look at where we're going to. She really marche. Là, les animaux là, c'est rare pour avoir une seule. Oui. Pour mieux voir les animaux, il faut que vous venez tôt pour être le premier à entrer dans la forêt. Parce que les animaux ici sont habitués que les gens viennent marcher. Donc eux, ils se cachent dans la forêt là-bas, ils ne viennent pas trop vers la route. Ah, ils ne sont pas habitués avec les gens. Hein. Ils sont habitués, mais ils savent que venir vers la route pour rencontrer les gens, les gens peuvent les tuer. Oui, ah. Si leur vie, eux ici, ils essaient un peu de s'éloigner des hommes. Ils nous entendent parler. Si à peine tu rentres là, tu commences à marcher. Tu me dis, oh, j'ai à peine voir le téléphone, mais il dit à peine le croiser une tortue. Ouais, c'est. Ils restent là-bas dans la forêt, nous on marche sur les pistes. Ça, c'est la rivière là. Oui, c'est la rivière. Wow.
the Red River. Look at all the way that way. All the way that way. It's just all the way. Look at going down. Bush. Look at the water. Oh my goodness. Wow. Good one. Good one. Good one. Je peux jamais venir ici sans boire de Soto là. Ah bon? Je vais faire une tour ici, je dois boire Soto là. Oui, à cause à l'intérieur c'est propre. Oui, c'est de l'eau complètement naturelle. Et ça sort où? Ça sort sous le. Ça sort où? Ça, ça fait le tour de la forêt, ça sort sous les rochers. Ça fait le tour, c'est l'eau qui sort un peu dans, dans les rochers. Soto là, donc vous venez ici, cet endroit là. Voilà un peu les bancs. Water is really magnifique. Si vous voulez, vous pouvez descendre comme ça, la filmer, si vous voulez filmer. Vous pouvez vous asseoir ici, vous manger, vous passer la journée là, vous vous baignez là. Vous pouvez vous doucher là, vous rafraîchir, ça fait du bien. Ah. Voilà, vous allez venir ramasser les poubelles. Voilà, sinon, les gens vont faire le dégât sur les poubelles. Bon, les gens viennent s'asseoir. Oui. Les gens s'asseoir là, les familles aiment bien s'asseoir là avec les chips, la nourriture. Vous pouvez faire votre poulet. Vous venez là, vous asseoir là, vous mangez. Wow. On est déjà, déjà à là. La fin de notre endroit. De notre et endroit. Puis, on va remonter. Let me keep this thing. Then have a turn. Let's take a walk. She's right there. Right, we are actually in the forest of one of the oldest forests in Gabon. So if you are new to the channel, please do make sure you subscribe. Don't forget to subscribe and give the video a like, share the video if you find it interesting. And we are in the park. So she actually said that this is where people can, you can come here, people come here and sit, relax with their family, just come and have quiet time. You can come here with your girlfriend, you can come here with your fiance, you can come here with your wife and chill, you know, with chill. But the only thing that baffles me the most, it is the Red River. She said the river is from the leaf. What makes the river to be red is from the leaf and from the tree like this, from the root of the tree. So this is the area. Look at the environment. You have a clear look. Let me take it slowly. You guys can see. Clear look. Let's take a little bit of march and go that way. Go this way. Let me see. Show you guys in the river. Look at the play here. So just come here. People come here and sit and relax and have a quiet time. This is a place where you can come and meditate. For those who do yoga and for those who does, for also for those who want to, those who always love to communicate with the ancestors, If you are somebody who always love to do meditation, this is a good spot for you to come and do your meditation. Quietly, there is no mosquitoes here. There are no mosquitoes here. So you come here and do your meditation quietly and connect with your ancestors, with the ancestral root, with the ancestors, and have some good time. I think one of these days I'm going to do that also. But if I have the money to pay and come in here, because it's 5,000, which is about roughly $8. I think so. Roughly $8. So this is the river. Just look at the river, actually. Let me go closer. See how red it is. You see how red it is? Red. This is a natural cleansing river. Look at. See how red it is? Right up that way. Right up that way. Natural red. Look at the river. Actually, it tastes air. I can feel. The same time you feel that fresh, at the same time you feel the freshness of the water, and then at the same time you feel like the herbs, the medicinal flavor. There's this medicinal flavor that you can feel in your mouth, but not that much, but you feel the medicinal flavor. You feel the flavor of roots. I'm thinking, you know what I'm saying, when you take the water, from the taste of the water, let me show you guys again. Look at red water. Get it again. Look. This is so medicinal.
and fresh water that is coming up from the root, right somewhere there. I don't know. It's just that the bat is about to die off. Look at this, is medicinal. This is what I can say, that this is real African. What are you talking about? African connecting with your ancestors. You drink water from your ancestors. This is blessings. This real water is really for healing. I don't know. This water contains a lot of healing powers. Look at red. Common, naturally red from the roots. You see, all these trees here are medicinal. They are medicinal trees. Each of them have their own cure. Each of them cure any type of diseases. They have their own cure. Medicinal. So I love this water. I have fetched some of them. I told you guys, already seen, see that I fetched mine. I'll take it back home and I'll be drinking. I really wish I could have come here with about 10 liters or 20 liters, 20 liters of gallon. I really wish I would have come here with about 20 liters of gallon, so that I would have fished all, I would have filled it up and get it and go with it. So I'm telling you, the only thing that's going to make me to come back here, this river, this water, for me to be having this water. You see, the river is clear. There is nothing. This is, look at, this place is clear. It's clear. There is nothing. You can't find anything. The river is clean. That's really clean. Naturally clean. Real source. Ancestral source. This is a spiritual water. You can do spiritual cleansing also with this water. I think you can do a lot with this water. You drink the water, you bathe with the water, you do spiritual cleansing with this water. I wish if she wasn't here with me, I think I would have taken my spiritual bath here. I'd have had some spiritual bath here, seriously. But you know what I'm going to do? I'm going to come back here and do my spiritual cleansing here. I'm going to have a spiritual bath here. Because something right deep in me tells me, like, this is spiritual. This is an ancestral something with our ancestors. I need to connect with the ancestors, with our ancestors through this river. And I'll do some meditation just beside the river banks, just beside this river. I need to do that. So guys, if you are interested in coming to Gabon, just to have a taste of this water and to do a cleansing, please don't hesitate. You can come to visit the park and also have your own cleansing. Also have your own cleansing and have a taste of this water. Look at, it is naturally red. Red from the roots. This is l'état naturel. À l'état naturel comme ça là, vous l'amenez chez vous, allumez, c'est un encens naturel. Ça purifie la maison. Ça sent très bon. En même temps, ça chasse tout insecte, tout reptile autour de vous, comme je vous expliquais un peu là-bas. Là, c'est ce qu'on appelle les... Venez voir. I want to see, let's check that royal place right there. Let me see what's there. Alors, ça a été... Oui, ça a été bien même, bien. Ah, ça, c'est okay. Ça que tu t'es fait. That's voilà. What it's ça, c'est l'huile de moabi. L'huile de moabi, ça se ressemble au beurre de karité, non? C'est pas le beurre de karité, c'est le beurre de karité de l'Afrique centrale. Ah. En Afrique de l'Ouest, ils ont l'arbre au karité. C'est avec son amant qu'on fait ce tuile-là. Alors que nous, en Afrique centrale, nous, on a l'arbre moabi. C'est avec cet arbre-là qu'on fait ce tuile. L'arbre moabi, c'est avec ça. Ce tuile-là, il est très bon pour tout. Vraiment, il est bon pour... si vous êtes cassé un membre de votre corps, l'entorse pour la rééducation, fait des massages. Ça répare tout. Bon pour la peau, bon pour les cheveux, les lèvres sèches. Tout type de bouton sur votre corps, vous frottez ce tuile, ça part. Ce qui souffre d'eczéma, tout ce qui souffre de tout. Tous ceux qui souffrent au mal de corps, courbatures, tout ça là, bon pour les bons massages dans les grands lieux de massage. C'est l'huile utilisée. C'est très bon pour tout. Déjà, il est comestible. Vous mangez ça, vous prenez, vous mettez sur votre pain, comme le beurre. Vous buvez votre café avec, vous préparez la nourriture avec cette huile. Déjà, avec lui, c'est la meilleure huile chez les femmes. Pour les femmes qui souffrent des règles de rose, des pertes, ils utilisent cette huile-là comme cette huile. C'est vraiment une huile magique, ça cache encore tellement de vertus derrière. C'est ça, Pat. C'est ça.
Ici en bas, tout ça là, c'est pareil, c'est la même chose. Non, là, c'est le miel naturel. On a deux types de miel en forêt gabonaise. On a le miel doux et le miel piquant. Ouais. Le miel piquant, c'est le miel qui est produit par les abeilles. Alors que celui qui est doux, celui qui est produit par les moucherons. Les moucherons, ce sont les plus petites abeilles. Ils piquent, mais ça ne chauffe pas trop comme l'abeille, quand l'abeille te pique. Donc, celui de là, c'est le miel piquant. Alors que le miel doux, il est un peu, il a à peu près, en fait, la couleur est un peu, c'est un peu clair, quoi. Ici, on a l'huile de coco. Les cocos de notre côte gabonaise, déjà la côte gabonaise est représentée par 800 km de sa côte. Donc on a des bons cocos que nous pouvons récolter pour faire l'huile de coco. Ah, okay. On a aussi ici là les livres qui parlent un peu des parcs au Gabon. Donc ici nous vendons différents livres. Donc si vous avez envie de connaître un parc au Gabon en particulier, vous venez vous acheter un livre. Et ce livre-là, vous le lisez, vous allez savoir de tout ce qu'on retrouve dans tel ou tel parc. Ici, on a des t-shirts tels que ceux-là. Des t-shirts un peu, vous pouvez voir, soit un gorille. Ce sont des t-shirts qui représentent un peu les parcs au Gabon. Wow. Là, ce sont des photos des... Là, c'est une dame. Ça, c'est des photos des différents rites initiatiques au Gabon. Ah. Là, lors de ces rites initiatiques, c'est là où on utilise cette torche-là. On ne peut danser le mouri, le djembe, le bouiti sans torche. Sans ça, là. On ne peut initier personne au Gabon sans cette torche. Ah. Ça, là, c'est vraiment la lampe spirituelle. C'est la lampe des Bantous. Le centre même des tout rythme initiatique ou culturel au Gabon. Okay. Aucun rythme ne peut se faire sans lui. C'est vraiment le centre de tout. Okay. Là, il a l'état naturel. Là, c'est tout simplement un objet de décoration que quelqu'un peut amener chez lui. Là, c'est de l'enfant naturel que vous allumez pour lui-même pour avoir cette odeur-là. Quand vous l'amenez chez vous, ça sent bon. Quand vous l'allumez encore, ça s'allume, ça parfume et ça sent très bon. Oui. Et vous purifiez votre maison. Maintenant, quand vous voulez danser peut-être le bouti ou le djembe, vous chargez la torche. Chargez la torche, c'est-à-dire, par exemple, on dit non, vous initiez ou monsieur est tel et tout ça là, on veut l'initier et tout. Par exemple, selon ce qu'on a envie de faire, il doit faire un voyage astral pour voir ceci ou cela. Alors, le maître initiatif parle à la torche et charge la torche. Mais la tombe que nous vendons, ça, elle est complètement à l'état naturel en ce moment. Oh, ici, okay. Nous avons la résine de